Laisse-nous souhaiter la bienvenue, tous nos camarades journalistes, pour nos conférences habituelles. Et aujourd'hui, nous pour aborder trois thèmes. Scandale de Elim University, de la famille Gita, qui peut continuer, les comédiennes feuilleton après feuilleton. Deuxième, c'est augmentation dramatique en ce qu'il s'agit du coût de la vie. Et troisième, méfiance et hostilité qui est là au niveau du gouvernement travailliste, PMSD et transfuse. Laisse-moi commencer par scandale concernant Eastern Institute for Integrated Learning in Management, Université de la famille Gita. Les bons mots font appel à la population qui, depuis 2007, le MSM dénonce l'énorme escroquerie dans le domaine de l'éducation tertiaire par Elim University qui finit implanté et qui peut opérer tout simplement par backing du gouvernement Navin Ramoula. À l'époque, c'était camarade Nando Boda en tant que leader de l'opposition qui dénonce sa crime qui peut faire dans le secteur l'éducation tertiaire. Et à ce moment-là, document à l'appui nous t'y démontrer qui Elim n'a pas de droit implémenté à Maurice. Nous t'y attire l'attention de la population et gouvernement d'alors qui la loi dans lundi que l'université et l'université d'État besoin d'abord gagner accréditation au niveau national. Et si ça l'université là ou l'implante li dans un pays étranger, li besoin au moins 5 ans l'existence dans l'un même. Preuve à l'appui, nous t'y démontrer qui Elim, l'université qui crée dans l'État indien, en l'occurrence Sikkim, qui ça l'université là, à l'époque, l'y fait commencer, c'est-à-dire en avril 2006, et qui l'y partie reconnue par University Grants Commission de l'Inde, qui c'est l'institution suprême en Inde qui a la responsabilité pour donner reconnaissance à l'université indienne. La loi est claire, pourquoi vous rentrez dans mon détail. Donc, les parties Elim University, partie forme partie de l'association de l'université indienne. Les parties respectées le UGC Charter et nous avons également établi que l'institution tertiaire de la famille Gita n'a pas le droit d'appeler l'université. Et moi, je dis ça qui fait, d'ailleurs, nous-mêmes, nous témoignons. Lorsque l'université était, tu mettais un board et tu servis le mot université, quand nous dénonçons, nous trouvons qu'il y a ça jour-là, puis sans le board, pour mettre campus, et nous faire comme ça. Tout de suite, il y a sans. Et ce qui est accrédité, c'est allé mot cause l'OTEC, c'est un branch campus
avec un diplôme seulement. Mais ça n'a pas fini en paix. La famille Jita faire publicité, comment on dit, qu'ils ont une first private university. Est-il listé une série de bancours? Donc, au moment que la famille Jita fait application pour ouvrir et pour opérer Elim University à Maurice, dès que tu visa fini, reset sa application là. Parce qu'en 2007, Elim University de Sikkim n'a pas été reconnue par UGC. Il y a seulement un an l'existence. Donc, d'après la loi indienne, il n'y a pas de droit à l'endéo laine. Et deuxièmement, pour capable à l'endéo laine aussi, il faudrait gagner le consentement de UGC. Astère, ça c'est là-bas. Mais ici, nous avons la loi. Et dans le Tech Act, la section 12B, subsection 2, qui dit, et moi cité, no center or branch campus of an overseas institution shall include the name of that institution as part of its name unless the center or branch campus is established and operated by that overseas institution. Ça, c'est nous, la loi, ça n'est là. Il est clair. Donc, non seulement fin inclure le nom de Elim University de Sikkim, mais pire, c'est Ramnath Jita Trust qui établit sa branch campus là, et c'est sa trust là qui préoccupe Elim University de Maurice. Donc même ce qui nous dit nous la loi ici Tech Act pas fine respectée. Mais malgré ça, le gouvernement de Ramgoolam ignore tout, y compris nous propre la loi. Et finit la pression politique. D'ailleurs, l'ancien ministre de l'Éducation, qui à l'époque était responsable et de l'éducation en général, y compris tertiaire, Daram Gokul, Lili Fin Binzir, qui bandita in faire pression, il finit faire fixer date pour l'inauguration de l'université par Premier ministre, s'il vous plaît. Et qu'il lui-même lui était embarrassé par sa situation-là. Et qu'il met un ultimatum, en d'autres mots, à Tech, pour qu'il donne ban l'autorisation. Fais vite, asie à l'oppression, et nous connaît aussi, et c'est là que nous condamnons le Premier ministre, parce qu'il get ça, un Premier ministre quand il a accepté à faire l'inauguration d'une université ou autre, ou n'importe qui les autres institutions. Le Premier ministre au bureau finit assuré qui tout in faire conformément d'après la loi et qui tout en ordre. Le Premier ministre
accepté pour aller pour faire l'inauguration. Ça, c'est mon pédia dans la norme des choses. On s'est dit, elle est comme ça. Mais ici, il est clair qui Ram Goulam, lui aussi, il fait une complice et le premier ministre, bien si il finit, donne so, l'autorisation. Il a fini de s'accorder pour faire l'inauguration. C'est ce qui, Daram Gokul, il vient faire les peuples comprendre sa pression politique donc qu'il mettait là. Esther Tech, lui-même, si consulté UGC de l'Inde, à ce moment dans le cadre d'un accord bilatéral qui s'est signé avec UGC, le 18 avril 2007. Et dans une correspondance de UGC, qui dit clairement que UGC n'a pas reconnaître Elim University. Et qui ça l'université là, bon fait qu'on s'y quitte, hein? Et qui ça l'université là n'a pas gagné droit vin ouvert un branch campus dans Maurice. Bon, là, mon point d'interrogation, qui sont là qui gagne sa lettre là dans Tech? D'après nous l'information, bien sûr, c'est le directeur. Nous avons envie de connaître qui finit faire avec sa lettre là. Est-ce qu'il finit circuler ça au board? Nous avons envie de connaître si pas board. Si finit circuler au board, est-ce qu'il finit une discussion là là dans le board? Et nous connaissons dans le board, là, en tout cas, il y a des gens, certains des gens qui connaissent la loi. Il y a certains des gens qui connaissent, qui visent à respecter la procédure. Est-ce qu'ils finissent débattre de ça issue-là, finissent poser question, finissent demander, est-ce que le board finit mettre au courant, être mis au courant de tout bonne information pour qu'il board? Est-ce qu'il board avant tout même, il prend une décision? Ça aussi, c'est pas écarté, hein? Mais tout ça là, nous avons envie de connaître. Mais, qui t'y a une affaire qui nous connaît, qui t'y vient diabode, par contre, qui t'y vient diabode, qui finit gagner une conversation téléphonique avec un préposé de ministère indien des ressources humaines, un nommé Madame Bhatnagar. Et une Findia Botek qui fini gagne le feu vert de l'Inde. Réalisez-vous qui était ça là? Vindiabod qui in cause une communication verbale, téléphonique, avec un préposé de ministère des ressources humaines, qui supposément l'in confirmé, alors qu'il l'autorité dans l'Inde qui vous capable de dire si une université capable d'implanter l'idéo. C'est UGC. Et UGC finit écrire pour dire qu'il n'est pas reconnaître. Et il ne donne pas l'autorisation. Voilà dans quelles circonstances Elim University de la famille Jita gagne l'autorisation de Tech. Mais là, c'est un mot qui a compté des affaires.
À l'époque, quand camarade Nando Boda, tu poses PNQ, tu poses questions, plusieurs questions il y en a, Lola. Nous t'y fais un devoir, le parti nous t'y fais un devoir, parce qu'attention, ben, une question qui m'a fini poser là, est-ce qu'il le beau détecte au courant, est-ce qu'ils ont une gagne, tout ça, ben, information là, nous t'y fais un devoir pour nous écrire à ben mon beau pour tenir les autres au courant de ce qui nous connaît et avec ben détail qui t'y communiqué au Parlement. La cause ça, qui moi, me dire le beau détecte de ce moment-là, à l'époque-là, pas capable d'une pleine l'ignorance. Pour moi, je suis aussi, je suis partie prenante, donc de ban l'autorisation qu'ils ont supposé in donner. Et Navin Ramboulam, donc, il a fait à l'inauguration le 10 mai 2007. Mais nous t'y mettons en garde, ban parents et ban étudiants, et nous t'y disons, faire attention, est-ce qui sa diplôme, sa certificat qu'ils ont pour gagner là, est-ce qu'il est pour reconnu ailleurs? Clairement, il n'est pas reconnu par UGC, il n'est pas reconnu par aucune université dans l'Aisne. Et il n'est pas reconnu d'ailleurs ailleurs aussi, dans les autres pays. Donc, un événement fin de nous raison, ou soulève autant, pas seulement de questions, mais pour avertir le peuple, mes parents, mes étudiants, et surtout, pour exposer ce scandale-là dans le public. Là, étudiant qui gagne un diplôme en 2012, fin écrire à Delhi Université indienne. Kurukshetra University de Haryana et Delhi University pour diman admission pour suivre ban postgraduate courses. Ça va à l'université. Évidemment, il répond zot pour dire qu'il pas reconnaître diplôme qui fin gagne dans Elim University de Maurice. Et qui n'a pas pour capable de considérer cette application. Donc, ça, ben, étudiant-là, fin véritablement victime d'un énorme escroquerie. Et là, fin est dans public notice. Vous imaginez, UGC tient un public notice. Pour lui tient un public notice, il faut de quoi lire alors, mais par ce qui peut passer. Tient une public notice en date du 27 juin 2013, Côte institution suprême de l'éducation tertiaire en Inde, dire qu'il n'a pas fin donné aucune autorisation à aucune université privée indienne pour établir un offshore campus ou un study center à l'étranger. Et moi cite une phrase: as at now, the UGC has not granted permission to any private university to establish offshore campus study center. Et sa public notice là précise qui, et moi cite encore, a university established or incorporated by or under a state act shall operate only within the territorial jurisdiction allotted to it under its act and in no case beyond the territory of the state of its location. Ça veut dire, même pour Sikkim, même si à la limite, les Sikkim ont l'autorisation là-bas, il n'est pas capable d'aller en dehors Sikkim.
déjà, pour là-bas. Il a gagné le consentement de UGC. C'était clairement, il peut dire là, c'était pas l'endé au pays là. C'est un désaveu cinglant à ce gouvernement-là, qui, à plusieurs reprises, est venu dire qu'il n'a pas besoin de l'autorisation de UGC. Hein. Plusieurs fois, ce gouvernement-là, il vient dire ça. Et moi, je me dis que je opère dans l'illégalité. À ce là, après sa public notice, là, s'il vous plaît. Hey. Ça me dit que tu là, c'est un feuilleton. Qui t'a fait? À ce là, tu as fait une précision. Hein? Il y a un feuilleton comique. Seulement comique avec des conséquences graves. Mais comique. Parce qu'il peut caster libéral du mal de précision avec UGC. Laisse-moi en passant, les bons mots me dire, parce qu'il est tellement énorme, ben très accablant. Là, nous avons un cas, un étudiant indien, Kinbin Maurice, pour étudié dans Elim University et Lili fin écrire à UGC sous le et dans la loi dans l'Inde Freedom Way The Right to Information Act de 2005. La loi dans l'Inde, sous ça la loi là, l'étudiant il écrit pour demander UGC. Alors, si Elim University has been authorized to run an offshore campus or distance education center outside India. As to whether Elim University has been authorized to run an offshore campus or distance education center specifically in Mauritius. Troisième, the information in support of that the degree awarded by Elim University and its center in Mauritius, whether it is valid. Après, date of recognition, date of affiliation. De Elim University. Et nous pour circuler ça, ben camarade journaliste, la réponse, bien sûr, nous biff le nom de l'étudiant, mais moi, vous gardez les autres, nous sommes d'étudiants, nous avons souvent une correspondance, et voilà qui UGC répond. Question 1. UGC has not granted any permission to Elim University to run offshore campus or study center. To run courses under distance mode. Deuxième, UGC has not granted any permission to Elim University to run offshore campus and study center at Mauritius. Troisième, il dit so establishment, date of establishment de sa université là, c'est le 7e mois 2006. Comment on dit elle est là? C'est 10 un an avant. Et quatrième, UGC has not granted any permission. C'était la question d'affiliation à l'université, à une université ici à Maurice. Ça, c'est clair. Enfin, tout clair, c'est que je peux dire là, mais plus clair qu'il clair, en gros. Hein? Alors, le clair, comment on peut dire, c'est un certificat PDAO qui pas valide. Et je trouve aussi que le défi aussi de faire, il prend l'initiative. Le défi de prendre l'initiative pour demander à UGC quelle est la position. Réponse qui défi il gagne, qui ne reproduit dans le journal. Bon, il confirme tout ce qui m'a fait dire. Mais il y a un petit bout encore qui est bon me souligner. Alors,
il expliquait qui notice UGC a expliqué ce notice qu'elle avait émise le 27 juin dernier avait un but précis. This notice was issued by UGC to advise students not to take admission in the unapproved study centers, off-campus centers, franchise institutions, colleges institutions, claiming to be affiliated with Indian universities. Hein? Mais vous imaginez qui sacrifice parents et étudiants peut faire, peut ramasser de casse, sous par sous, les enfants qui sont là-bas peut travailler dire, à la fin, quand gagne un certificat, ben n'a aucune valeur. Franchement, c'est un véritable crime. Et moi dire, c'est ça, est-ce que c'est ça l'île Maurice moderne de Navin Ramgoolam? Est-ce que quand nous guettons tout ça là qui peut arriver, ça calvaire qui ban étudiant mauricien, mais aussi étranger, indien, népalais, je peux vivre après qui peut ban les autres escroqueries, ban arnaque, ban escroquerie, pas ban les autres institutions qui déclarent les autres supposées ban institutions qui gagnent l'autorisation pour opérer à Maurice. Là, on trouve quand on a protesté, quand on a déjà remboursé les autres, Casper, on expulse ces autres-là. Hein? Mais tout ça, là, vraiment, l'hypothèse, atteinte à l'image du pays. Si à tout, quand nous pouvons cause grand causer, nous pouvons vivre dans un knowledge hub. Hein? Nous pouvons vivre dans un crooked hub. Un hub of crooks. Ça qui nous peut oublier. Ça qui sa gouvernement la peut faire. Je peux avoir responsabilité et je peux soutenir la mafia dans l'éducation. En tout cas, pour Revina et Elim University, ben événement, un après l'autre, peut montrer que c'est un agenda pour favoriser uniquement business. Faire publicité. Et là, il faut me dire d'autres affaires aussi. Qui veut-il faire là pour la famille Dita encore une fois? Je viens de l'avant avec Foundation Programme Master. Pour donner Foundation pour course gratuitement. Ça, il y a d'autres arnaques ça. Un étudiant qui gagne un seul level. Donc, en principe, les besoins réels faire ce A-level, puis fini d'y aller, pas tracassé, vini dans un an, un foundation programme. Sa foundation programme-là, d'après l'Université d'État, pour équivalent à HSI, qui mène les autres enfants avec travail, avec sacrifice, avec effort, les autres ont gagné. Et après, quand fini, Foundation programme gratis, quand il finit avec les autres équivalences, les là, trois bonnes années, faire des grès, payer gros casse à l'université d'Ita. Et tellement une couillonne du monde, une route faire croire, qui PSC, mais pour accepter ça. Jusqu'à PSC, une bizarre vient avec un communiqué pour dire qui n'a pas capable de substituer sa foundation programme-là à un full HSI. Et qui va aller à 10 ou pour recrutement dans le service civil, bizin et n'a un full HSI. Mais seulement, vous ne connaissez pas quand, puis si vous continuez, God, ça critère-là. Hein? Parce que comme vous guettez ce qui peut arriver au niveau tech, encore une fois, l'eau la même, tech tiré à zir, parce que nous, si nous commençons à dénoncer, Tech tiré à Zia, tu tiens communiqué, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça communiqué là qui dit? Premièrement,
Foundation course n'a pas équivaut à HSE. Deuxièmement, Foundation course n'a pas accrédité par TEC. Mais troisièmement, s'il vous plaît, TEC fin autorise sa qualité là dans le but de faciliter l'accès des étudiants aux études tertiaires. Hein? Vous vous connaissez dans quel pays nous pouvons vivre? TEC, supposé une institution de l'éducation, l'autorité, le régulateur. Hein? Sa troisième point là, faire TEC une complice donc, de ce qu'il peut faire à Elim. Et comme pour confirmer encore plus qu'il y a une stratégie, à nous dire au plus haut niveau du gouvernement pour favoriser Elim University, à la fille tient un circulaire. Le 22 novembre 2012, ministère fonction publique, s'il vous plaît, tient un circulaire qui vient dire pour considérer highest qualification pour recrutement dans le service civil. Alors, highest qualification veut dire, nous pas pour guetter si par exemple, il fait un signaux, il fait un châssis. Du moment qu'il y a un degré, il présente ce degré, c'est ça qui peut compter. Right? Alors, qui fonction publique peut dire ça? PSC, lui, qui est le body qui peut faire ban recrutement, lui peut dire qui non, bien un châssis. Et Nani n'a pas capable de remplacer un full HSC. Coup de pied aller. De qui a été pays, nous pouvons vivre. Et l'autre quelque chose encore pour montrer qui m'a favorise Jita, l'Université de Maurice. L'Université Maurice, s'il vous plaît. Pas une private university. L'Université Maurice. Advertise fait un cours dans l'éducation physique. Quand ben du monde finit faire cours dans l'éducation physique, il y a d'autres qui ont diplôme pas pour reconnaître. L'université Maurice, ce diplôme n'a pas reconnaître. Aster pour reconnaître, ça ben du monde là besoin aller dans Wolverhampton University, toujours famille d'État. Elle fait un topping up, l'air là, pour gagner reconnaissance. C'est la bonne ponzi. Hein? Mais seulement avec Jita, pénal limite. Vous pouvez dire avec Jita, pénal aucune limite dans ce qu'il est capable de faire. Dans le Parlement, il vient dire, il y a un trustee de Ramnath Jita Foundation, le radio, les Vindias en Mélindia, qu'il y a un trustee. Mais qui qualité du monde appelle ça? Qui crédibilité sa qualité du monde là? Et inutile, mon papa le cause, vous connaissez l'ICAC, si l'ICAC est une institution indépendante. Si, je dis bien, si tu es un institution indépendant, l'ICAC, tu as fini saisir de l'affaire, tu as fini arrêter Dita, tu as fini déjà instruire un procès. Mais seulement l'ICAC, fin, pas seulement un instrument politique, ça depuis longtemps, on peut dire, mais l'ICAC lui-même. L'ICAC finit une institution de criminalité, eux-mêmes. Officier, vous attendez ça? Officier peut faire l'enquête, le agent travailliste, Madame Ramlol, le Ponzi scheme. Seulement, ça va un officier là, il finit mettre casse. Pour gagner plus. Vous êtes mettre tigre pour gagner plus. Yeah? Et je peux faire l'enquête. Zot. Et moi, tu dis à la Parlement. Speaker, tu dis à moi, je vais faire IAC, information. Quand tu poses question, moi tu dis, moi l'information dire qui ça ban officier là, peine dans l'enquête, peine dans l'année, peut recruter, peut reprendre. Tu suspends 11 officiers. Et moi tu dis, moi je finis gagner information, peut reprendre. Speaker, tu dis, qui est ce? Alors, qui est ce? Il finit reprendre. Et vous connaissez, vous ne respectez pas le règlement de l'ICAC, là-bas même.
Et s'il n'a pas allé pour faire procès du cas, Chief Investigating Officer, s'il vous plaît. Et nous connaît, il est bien connecté. Nous connaît que ça là, il est bien connecté. Chief Investigating Officer, il involve dans gambling. Mais est-ce qu'il vous dit à moi, il a pas de figure? Mais qui sont pégétés? Je vous laisse le peuple répondre, qui sont pégétés? Quand vous êtes lisiers, étaient. En tout cas, situation est pourrie. Cas dans l'éducation. Et nous dire l'autorité qui vise à déregister Eastern University sur le champ. Eastern University qui vise à rembourser tout ça à un étudiant qui finit à suivre notre cours et qui après on peut trouver qui n'est pas capable de servir sa diplôme là ailleurs et qui gouvernement qui besoin trouve une solution aussi parce que c'est le gouvernement qui est aussi responsable une soutirer une tolérer quand si à tout il met le gouvernement au courant. Mais le gouvernement, tu dois trouver une solution pour ça, un étudiant-là. Et nous réclamons la démission du ministre Jita. Si c'est un peu l'amour propre, tu dois démissionner. Et sinon, le premier ministre, tu dois révoquer. Et je suis content de dire aussi que là-dedans, nous, en tout cas, pas faire confiance dans top management et dans le board de tech. Et comme je dirais pour add insult to injury, je trouve tech tire une presse communiquée s'il vous plaît, datée le 30 août. Hein? Tire une presse communiquée, vous êtes tout correct, tout dans l'ordre. Mais donc, quel problème? Quelle mascarade! Mais la danse, c'est nous, bons enfants et bons parents qui peuvent payer ça. C'est et le pays sur l'image peut ternir davantage. Et ce moment, le deuxième sujet, augmentation dramatique dans le coût de la vie. Après augmentation, moi, je ne vais pas vous dire 12% dans le coût ticket transport bis, parce qu'effectivement, il n'est pas 12%. Il est 12% pour certains tracés, mais il est beaucoup plus que 12% pour les autres tracés. Alors, il ne fallait pas venir couillon du monde pour dire juste 12%. Mais de toute façon, les peuples payent pour l'incompétence de sa gouvernement-là qui finit de mettre CNT dans faillite. Après, et ça aussi, moi, pas vous dire 35% augmentation dans le prix du lot à partir de janvier 2012, moi, vous dire 48% augmentation parce qu'il y a un tarif wastewater aussi, quand nous compilons, il vient presque 48%. Qui ça, gouvernement là, il fait les peuples payer. Là, nous pouvons dire à ce ministre Bibidjan, il finit de dire l'autre augmentation, le tarif de l'eau. Et comme raison, qu'il finit d'avancer, Dr. Rachid Bibidjan, il dit où qu'il y a du monde depuis ce sel, il finit de joindre lui. Et il dit, c'est cette loi qui dit, sans même payer l'eau, dit-le. Mais est-ce que le docteur Bibidjan, je crois qu'il est allé, c'est celle? Premièrement, c'est celle qui sont pluviométrie pour toute l'année. Combien de réservoirs vous tenez?
combien de boreholes vous avez, combien de dames vous avez, bah, dames, vous voulez dire barrage pour la rivière, combien vous avez dans ces selles. Ces selles fait bizarre faire des salinisations qui coûtent cher pour capable de donner l'eau à bon habitant. Ici, nous payons vraiment nous avons un réservoir, nous avons l'infrastructure, nous avons l'appli. Mais, pays n'a absolument aucune comparaison avec ces selles. Absolument aucune comparaison. Et dans un moment difficile, dans un moment quand les peuples peuvent se sentir, pendant qu'il y a un clic, pas ils se sentir, peut larguer, cette linge peut tomber. Hein? Pendant qu'il s'est arrivé, l'eau dit l'eau, l'année allait, l'année est venue, ils ont venu donner la même excuse à la population. Service d'ILO n'a pas pu améliorer du tout. L'infrastructure pour desservir les peuples n'a pas pu améliorer. L'année allée, l'année venue, 55% ou plus des d'ILO ont perdu entre réservoirs et jusqu'à qui dit le l'arrive dans la case du monde. Combien il investit dans l'infrastructure? Alors, qui peut faire National Identity Card, s'il vous plaît? 1,1 milliard, 1,2 milliard, il est arrivé. Pour le sens carte plastique, ça, il y a une priorité pour ce gouvernement-là. 1,2 milliard roupies, mais problème dit-le, ça, il est relégué au dernier rang. Et l'année allée, l'année venue, je te dis où, la sécheresse. Là, nous encore dans l'hiver, là. Nous pas encore rentrer dans l'été, là. Fait que là, quelques temps de cela, réservoir Morovaqua, tu es presque rempli. Tous les autres réservoirs, tu es rempli. À ce là, je te dis où, situation difficile. Et vous pouvez payer le prix de l'eau trop beau marché. Ça a une autre solution. C'est là qu'on va dire que ce gouvernement là vrai même, dit que c'est machiavélique. Ben, produit électroménager. Pourquoi vous avez gagné ni ça, c'est-à-dire? Je dis, ben, mettez une taxe, 25% plus cher. Mais électroménager, il n'est plus un luxe, ça. Il n'est une nécessité, je dis. Et nous t'y faisons accessible à toutes les couches de la population. Si à tout le monde est capable d'acheter ce produit-là pour faciliter dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que ce gouvernement-là voulait créer une situation que le monde qui est au plus bas de l'échelle n'est pas capable d'acheter ban électroménager? Est-ce qu'il nous pourrait tourner comment longtemps que dit une poignée riche qui vous capable et dans les moyens? Toujours, je me cause dans pour problème coût de la vie. Et je me avertis la population à venir plus divant. Problème dans le secteur énergétique. Ramgoulam, qui peut favoriser? Bailleur de fonds. Qui peut favoriser Transfise? Quand il donne projet pour faire l'énergie. Mais la situation à l'avenir est pour catastrophique. Et ça aussi, les peuples qui peuvent payer pour ça. Pareil, comment tu fais dans STC?
avec le hedging saga, il met une taxe. 5,4 milliards de roupies, les pépins tirés dans ce poste pour payer de hedging. Augmentation de bande denrées de base, bande prix dilé en poudre, du riz, céréales, grains secs, la viande, puis augmenter par 20% en moyenne. Prix peut monter, l'inflation peut grimper, mais autres priorités, gouvernement, c'est autres anti-clic, comment me dire, faire autres business, un petit groupe dans l'entourage du Premier ministre. Quand nous avons de pauvreté, comment on peut installer dans le pays? Nous n'avons aucune politique économique. Je dis, nous n'avons aucune politique économique de ce gouvernement-là. Laisse-moi venir au troisième sujet. Comment me dire, méfiance et hostilité d'un gouvernement. C'est une véritable pagaille. Et l'équipe, comment dire, chacun peut jouer boule dans sa façon. Peina en l'esprit d'équipe. Et Premier ministre, il peut affaiblir de jour en jour avec ce scandale-là. Il peut agir comme un véritable dictateur. Bon, il y a un tel exemple, on va prendre tout le monde l'exemple. Là, le dernier, on trouve, un côté Patrick Assiavaden peut dire qu'il n'est pas correct pour qu'il se fait un contrôleur dans le cas accident Sorez. Hanil Betu ripostait. Il dit à Assiavaden, en d'autres mots, tu viens ferme sur la bouche. Pas tu viens commenter le case, quand tu peux faire l'enquête, et qui peut dans la cour. Nous tout rappelons Reza Isaac, qui manière l'étudier un ministre incompétent. Nous rappelons comment le ministre Chouni s'est appelé au lit dans l'Assemblée. Nous rappelons aussi comment ban Bechou, ban Wari, Ritou tiré à Zir face à Reza Isaac. Et vous vous dites aussi, hein? En passant, dans le vent Maguette, Maurice Allette et Reza Isaac, ils disent que ban Wari, ils disent qu'ils visent cool. Y a-t-il Bama, s'il vous plaît. Voilà l'esprit d'équipe qui est là, la travailliste. Et ça va nous commenter qui certains ministres travaillistes font à l'égard, avec raison, à l'égard de ministre Dita. C'est bon, je te fais aller en privé. Par contre, Arvin Boulel, ça va un commentaire qu'il y fait au ministre Fogou. Je ne vais pas vous dire en privé, presque public. Public, moi, je peux dire dans la presse ou dans la radio. Hein. Je peux dire public dans l'endroit public. Hein, qui m'a traite Fogou. Et relation qui existait entre PMSD et Parti Travailliste. D'ailleurs, nous rappelons qu'une manière, Navin Rangoulam fin déplime Xavier Dival avec l'épisode CQN. Il a envie éclat le PMSD. Il réussit parce que CQN finit avec Parti Travailliste. Systématiquement fait humilier Xavier Dival. Un exemple d'une fonction que la Banque de Maurice organisait, vice-premier ministre et ministre des Finances assise au second rang, s'il vous plaît. Et aujourd'hui,
Moi, apprendre qui de plus en plus, Prime Minister's Office fin hijack ministère finance. Vous avez court-circuit le ministre des Finances. Vous êtes isolé de plus en plus. Et moi dire à Xavier Duval, à faire l'enquête pour guetter qui premier ministre, qui va le commenter premier ministre fait à l'Oli. Qui m'a traité avec mépris quand le Premier ministre cause avec certaines Dimoun, près de Xavier Duval, avec mépris. Donc, elle a un malaise bien, bien profond. Bon, combien de temps pour une acolmatase? Nous ne connaissons pas, mais en tout cas, mon cas dit Titanic peut couler. Là, je trouve autre, pareil, comment dire, DiCaprio, quand Titanic peut couler, je peux sentir. Hein? Fais-moi dire je peux sentir, parce que je peux tenir pour l'intérêt. Et moi, tout, Navin Ramboulan, je peux sentir hier dans l'aéroport. Grand tam-tam, s'il vous plaît, pour faire l'inauguration, nouveau terminal. Ramboulan me dit c'est vitrine du développement pays. Nous tout connaît sa vitrine là pour qu'il s'en là. Hein? Sa nouveau terminal là, son business, qui quantité business duty free, c'est-à-dire, ben magasin, cafétéria s'il vous plaît, Airway Coffee, belle expansion, publicité, c'est ce qu'a publicité l'imprend. Hein? En tout cas, juicy business, ou nandani sounak. À cause ça, Navin Ramboulan fier. Et il est tellement fier. Lui-même dit où est-ce qu'a coulé un tapis, il n'a rien été. Un premier ministre, s'il vous plaît. Je connais, il y a des autres affaires sur couleur. Mais si ce qu'a coulé un tapis, il n'a rien été. Mais moi, je connais des affaires. Pour. Je ne peux pas dire ça qui est tension, mon camarade journaliste, parce que c'est mon compte. Modernité, modernisation, nous, infrastructure, etc. Mais pour qui l'aéroport vienne un moteur de développement économique dans ce pays-là? Mais c'est toute une politique qui vise à élaborer. Comment nous tu peux préconiser dans MSM? Nous tu dire vise à régler l'accès aérien. Nous te dire que nos compagnies nationales, Air Mauritius, tu besoin build-up et tu besoin desservir un certain nombre de destinations avec une plus grande fréquence pour que véritablement l'île Maurice vienne un hub, pareil comme Dubaï, pareil comme Singapour. Nous te dire besoin. Et il y a une politique qui attire plus beaucoup d'étrangers, touristes pour venir Maurice. Quand nous faisons business hub, mais aussi leisure and entertainment and duty free. D'ailleurs, le projet de Duty Free Island. Et vous pouvez aller comme ça. Mais tout ça là, c'est un ensemble de mesures qui vous apprend. Pas né qu'à le faire un terminal inauguré. Fini? Que touristes. Nous pouvons causer combien de millions de touristes pour venir Maurice? Il y a un secteur touristique qui peut arriver. Parce qu'il y a une vision. Je me rappelle, quand nous sommes dans le gouvernement, je peux dire ça, parce que dans deux, si je demande rendez-vous, si je demande rendez-vous, premier ministre, pour le discuter de l'accès aérien, le secteur touristique. Un rendez-vous dans 14 mois, un rendez-vous pour gagner. Tu n'as pas ce passeport sur l'accès? En tout cas, nous pouvons causer Air Mauritius. Air Mauritius dans les râles aujourd'hui. Air Mauritius dans les râles.
combien de milliards il perdit. L'autre, encore une fois, hedging, combien de milliards il perdit. Mais tout ça là, c'est blabla, grand causé, mais peinant, comment vous dire, peinant de politique d'ensemble, peinant de vision, et nek zot peget zis, zot l'intérêt, big business, gros pactole, pas pays et population qui passe, qui plie important pour eux, qui passe avant tout. Ce qui est important pour eux, c'est pouvoir à tout prix. Mais malheureusement, de jour en jour, le pays peut plus enfoncer. Ce gouvernement-là peut venir plus impopulaire. Et vous pouvez dire que le mood dans le pays, le mood, c'est pour un grand nettoyage. D'ailleurs, un meeting qui remake peut faire après Rosil, chemin Grenier, hier un outil à Sainte-Croix, ça va une mobilisation qui peut être là, la foule, l'enthousiasme, démontrer qui est un sentiment de révolte. The writings on the wall, comme en anglais dire, et les peuples décidé pour amener un changement, clair, et n'avoir point aucun la fosse qui est capable sans le cours de l'histoire. Voilà ce qui nous tient à vous dire, et comme d'habitude, nous passons la parole pour une question. Nous savons qu'hier, le projet dans le team qui a été le remake est à Casa-Virtual. Non, nous pas qu'être à Casa-Virtual. Lui, il y a quelque chose contre Tracas lui-même. Mais seulement, get ça. Un gouvernement pour être capable de faire face à une situation qui, au plan économique, difficile. Sur le plan social, extrêmement serré, parce qu'il peut y avoir une dégradation. Pour capable plus faire face, besoin d'un gouvernement qui ait une équipe qui est solidaire. Right? Et quand on trouve, dans le moment où nous pouvons vivre, aujourd'hui, nous trouvons un gouvernement, comment vous expliquez, moi fin expliquer, entre le ministre travail même, ça qu'un tir à nos autres camarades. Est-ce que là où il y a des partis, PMSD et Parti Travailliste? Mais ça a été. Pour moi, ce qui peut passer au gouvernement, PMSD et Parti Travailliste, pour moi, ça c'est cliché. Hein? Ça c'est cliché. Moi, je cause l'humiliation qui. Xavier, je ne sais pas cause de Xavier sur un pic qu'il y a envoyé contre Navin Rangoulam. Nous tout connaissons. Quand Xavier Duval vient dire, un premier ministre n'est qu'il vient montrer figure. Hein? Enfin. Et commentaire qu'il vient faire aussi. Alors, zot petit en zot, mes pays-là, l'in relégué au deuxième plan. Alors, c'est ça le point. Et. Les peuples qui peuvent payer les pots cassés, quand les autres pays, tiens, entre autres même. Et comment me dire, qui politique économique aujourd'hui? Bon, on va payer un tracas, du mal contre un mot, critique-lui, parce qu'il est ministre finance. Mais ce gouvernement-là, y compris lui aussi, qui est politique? Mais la politique économique, mais il y a une véritable, il y a une vision. Alors, lui, il y a ce tracas pour lui. Oui. Concernant le remake et une éventuelle travailliste MMM. Mais l'éclair, c'est qu'il peut le déranger, il me dit là. Il n'a pas ajouté l'eau là. Il est tellement clair qu'il peut pour ajouter plus que ça. Jusqu'à Patrick Assiavaden, après une bindière, quand il peut dire, il peut dire soi-disant cosmore, ça à niveau de Jagnat, c'est
l'alliance travailliste MMM, après les vignes, quand Paul Bérandin finit de mettre clairement la situation comment elle y était, il dit, mais non, nous ne pouvons pas dire qu'il pourrait être l'alliance travailliste. Enfin, mais pas si, il y a un commentaire vide. En tout cas, ce qui moi, je veux dire, nous donnons remake et qui nous connaît quand nous prenons un simé, quand nous allons de l'avant, nous consistent et qui, surtout, quand nous avons une situation que le pays était, c'est le vœu de la population qui le remake présente lui comme une alternance. J'aurais dit, c'est le vœu de la population. Et c'est le vœu de la population qui voulait trouver, encore une fois, Saint-Niro de Jagnat, Paul Béranzé, dirige donc sa remake là. Et comment camarade Paul Béranzé régulièrement peut dire dans chaque meeting, le remake, Paul gagne une écrasante victoire dans la prochaine élection, l'éclair, ça aussi. D'accord. Okay. Merci beaucoup.